Comme je veux dire, ce n'est pas une question de sénateur, la torture. Ce n'est pas une question de l'opposition. Ce n'est pas une question de au monde. C'est une question de la souveraineté populaire qui réside dans l'ensemble des citoyens. Et souveraineté populaire, ça, c'est l'ensemble des citoyens qui peut exercer. L'exercer, l'y en constitution. L'y dit, mais comment vous changer constitution? Je dis à un monde qui sont constituants dérivés, c'est-à-dire qui dérivés de la constitution de 1987. Donc, qui doit respecter, qui prête sa maçonnerie, qui dit la foule en bataille. C'est que vous me gardez aujourd'hui, une entreprise, il y a un monde qui peut gérer l'entreprise là, et puis le monde dit, je ne vais pas respecter aucune loi dans l'entreprise là. C'est l'ensemble des actionnaires qui doit régler le problème là. L'ensemble des citoyens, c'est l'ensemble des actionnaires qui est responsable pays. Donc, je dis à ce qu'on monde qui dit que l'Ivoire le font bagaille, l'Ivoire aller pour le faire référendum, eh bien, à partir de ce moment, moi, parce que le peuple doit réagir. Et nous, comment le peuple a continué à réagir? Comment c'est réagir? Notre petit peuple a continué à réagir parce qu'il y a une ops qui est comme peuple à 27 millions de dollars pour que l'y fait référendum. Pendant que les Nations Unies disent référendum n'est pas inclusif, n'est pas participatif. Donc, nous demandons au peuple là, à devant bureau une ops, pour qui est-ce que ça fait référendum là? Nous demandons au peuple là, à l'époque des Nations Unies, le PNUD. Pour qui est-ce que ça fait référendum là? 20 millions de dollars maintenant, puis tout le monde est là, qui est quand le 20 millions de dollars qui est débloqué pour KEP là, et bien son corps qui va passer, qui va couler compte, que les gars ont dépensé dans le BDM, on l'autre gars contre le compte. Et tout le monde vient pour répondre de dépenses à eux. Donc, dans ce sens, parce que la crise va être résolue lorsque l'ensemble des citoyens détenant la souveraineté populaire va dire stop, on va accepter par ça. Sénateur, sous même là, c'est ça, président, renouveler que l'année, c'est une année élection, une année électricité. Et sous même les hier, nous faisons une manifestation, il n'y a pas tellement ok. Donc, qui est-ce que tu as utilisé là pour bloquer peut-être le capital? Premièrement, bon, on dit, parce que nous sommes sur le terrain, nous sortons là, lui déjà, dérapés à 3 minutes. Donc, moi, je pense que c'est la reprise de la mobilisation. Et soit regarder en pleine mobilisation, il faut regarder côté le fait, il ne faut pas évaluer la partie de Port-au-Prince seulement, il faut évaluer la partie de tout côté que le fait. Et cette reprise de la mobilisation va déclencher une mobilisation permanente. Maintenant, je vais m'expliquer, nous, moi, parce que je vous dis, moi, je vais répondre à la question, comment vous bloquer la question? Le peuple a dans plein droit, parce que la magie d'après constitution. Le peuple a allé, les bloquer, débat, il va participer. C'est un début. Le blocage est un processus. C'est un processus qui est lancé. Côté Jodia, la mobilisation doit être permanente dans les 145 communes du pays, dans les 670 sections communales et quartiers du pays, dans les 41 arrondissements, dans les 10 départements et dans la diaspora. Et me féliciter, diaspora, pour la grande mobilisation, il fait Washington hier, qui. Je veux rappeler Biden exactement mot il était dit par rapport à Haïti. Après ça, les sénateurs, nous avons un département d'État qui réagit après Marche Diaspora qui dit que c'est une élection pour organiser. Donc. Bonjour. Nous parlons de l'élection. Et moi, je dis, si maintenant l'élection, je n'ai pas une élection. Ah oui, c'est un problème. Non, je ne vais pas faire l'élection à Jovenel. Je ne vais pas faire l'élection à Jovenel. Mais nous parlons de l'élection. D'ailleurs, moi, toujours gagné l'élection, que ce soit en 2006, que ce soit en 2015, dans le premier tour. On n'est pas foutu team, moi-même, moi, tapé l'élection. Moi, je voulais aller à l'élection, mais l'élection qui passe l'élection. Je ne vais pas aller à l'élection à Jovenel, parce que le mandat Jovenel fini. Hein? Je ne vais pas aller à l'élection, sélection. Moi, je demande au gouvernement, au exécutif neutre, que nous n'avons pas besoin d'adam. Parce que nous n'avons pas besoin d'adam. Parce que nous avons, justement, au niveau de l'opposition, nous avons un discours, puisque c'est un gouvernement aujourd'hui qui gagne un bilan zéro. Nous avons des dossiers qui font au Sénat qui prouvent. Et nous pensons que l'opposition a cette capacité. Donc l'opposition n'a pas élection du tout. Parce que chaque monde met ça en tête. D'ailleurs, plus fort monde qui est dans l'opposition était dans le Sénat de la République. Et où presque tout est passé au premier tour. Donc aujourd'hui, nous dit. Élection veut dire, c'est le peuple qui choisit, c'est par sélection. Jovenel te dit que depuis là, lui-même, il n'est pas quitté au grand élection. Amis la société, bonjour.
bonsoir. Depuis d'amandé, les hop gade vidéo, eh bien, bienvenue sur Chanel Paula. Chanel qui toujours pote bon jan nouvelle pour bon jan information, sans fausse côté, sans voie monter. Et nous même c'est toujours un plaisir nous prendre pour nous porter information ça pour dans bon timamite. Eh bien, information qui a dominé l'actualité à la, eh bien, Joe Biden annoncé 18 mois statut protection temporaire pour haïtien ça nous est les TPS là. L'autre information n'a bien pour porter pour eh bien DGPNH là Léon Charles lui-même il fait gros déclaration, il fait connait la police pas au courant de aucune trêve bien monsieur Gravine avec village de Dieu fait dans question kidnapping non. Bien l'autre information n'a bien pour porter pour toujours c'est décès directeur général Office National Assurance Vieillesse ONA Chesnel Pierre qui mourit vendredi 21 mai 2021. Bien c'est toute information ça avec un pilote qu'on a bien pour porter pour vous ou même qui pourquoi abonner à Chanel là n'a pas de faire ça kounya là comme ça ou pas perdre même yon yota dans série information n'a bien pour porter pour vous. Et bien j'en nous t'ai annoncé ça administration Joe Biden nan bay 18 mois statut protection temporaire pour haïtien et tweet ça fait c'est après secrétaire d'état et bien sécurité intérieure Alejandro Mayorkas lui-même li fait li annoncer renouvellement et puis autorisation emploi bay ressortissant haïtien pour une période 18 mois et ressortissant haïtien qui sous territoire américain jusqu'à 21 mai 2021 là bonne nouvelle pour compatriotes nous qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Eh bien annonce a fait c'est après analyse situation pays d'Haïti qui critique dernier jour ça selon ça et bien secrétaire d'état lui-même il fait connait et bien il fait connait Haïti lui-même gain en pile problème tant coup troubles sociaux augmentation violation droit monde pauvreté qui augmenter plus toujours insuffisance ressources de base sans compter toute l'autre bagaille qui a passé en Haïti ça nous même nous connaît kidnapping qui a ravagé monde et ça qui important toujours et bien c'est après manifestation qui était faite dans Washington nan, côté et bien en pile haïtien qui vivent aux États-Unis même yo t'a manifesté dans Washington DC pour dénoncer régime PHTK côté au fait connait ce régime ça cap fait massacre et bien cap violer droit monde et bien Alejandro lui-même secrétaire d'état lui-même il fait connait yo bail TPSA jusqu'à ce que au moins après 18 mois yo espérer et bien situation pays à lui-même la va améliorer comme ça et bien haïtien même yo capable tourner dans pays mais connaissant compatriotes nous y a travailleur pour même yo capable gain résidence permanent yo et nous connaît en pile nan yo yo voyager pour ça c'est pour capable courir pour insécurité la vie chère dans la coupe pays d'Haïti pour capable et bien prendre soin madame petite et bien ses frères yo quitter dans la coupe pays d'Haïti même si c'est avec en pile qu'elle sauté puisque nous connaît la coupe pays d'Haïti bagay yo pas facile du tout mais tout gen pile nan yo tout par exemple en 2010 après 12 janvier tremblement de terre là n'a songé te gen plus passé 60 000 haïtiens qui te bénéficié TPS là et en 2021 là gen plus passé 160 000 haïtiens même qui bénéficient c'est une bonne nouvelle et dans 60 000 ça qui était bénéficiaire depuis 12 janvier 2010 en pile nan yo goumen pour capable gain résidence permanent yo. En tout cas président haïtien Jovenel Moïse même l'été eh bien encourager saluer décision si là mais tout qui ça lui même l'a fait pour capable eh bien résoudre problème en Haïti yo. Puisque nous connaissons principe une principale raison c'est Jean Pierre là qui fait renouveler TPS eh bien compatriotes et octroyer TPS by l'autre qui était au même illégal dans États-Unis d'Amérique. En tout cas
information ça au n'a suivi de près pour nous capoter tout dernier petit détail pour l'autre information qui a dominé actualité à là bien n'a songé monsieur Gravine ensemble avec village de Dieu même il était annoncé et après on pose sur question kidnapping là pendant 2 mois bien en pile monde te dit ouf te râler en souffre même si ça pas empêcher kidnapping continue dans pays a mais kounya tout on connaît là si kidnapping fait c'est pas monsieur Saoufel puisque eux même yo annoncé trêve kidnapping même si récemment dernier cas kidnapping nous capable recenser parmi l'autre qui fait c'est pas Dave Augustin lui-même qui c'est propriétaire business qui est Check Egoa bien DGPNH là Léon Charles lui-même les ferme qui fait qu'on est la police même pas au courant de aucun trêve malfrat annoncé dans pays a et bien il fait qu'on est pour le convaincre on a et bien il dit dans moment là la police travaille à faire dans moment là c'est collecter information identifier côté malfrat et puis monter puis mener opération pour capable démanteler réseau gang dans pays a et bien li fait qu'on est tout bien dans moment là objectif PNH c'est mettre l'ordre dans mitan ville pays d'Haïti et dit qu'en pile disposition qu'a prend pour malfrat ça même yo capable soit à la prison ou bien à la grand cimetière c'est ça que fait li dit la police à lui-même gagne l'autre forme déploiement l'a fait surtout dans zone stratégique tant que rue pavé ensemble avec Rue des Casernes l'autre zone qui gagne banque commerciale yo et bien il dit la police a lui-même qui ont l'autre forme déploiement à faire pour capable sécuriser zone ça yo ça veut dire est-ce que c'est toujours parole en l'air pour capable faire peuple à lui-même dodomia ou bientôt est-ce que DGPNH a vraiment après si prend responsabilité là pour kawe comment yo ka stopper phénomène insécurité ça dans pays a cap simendey chaque jour pi plus dans g population en tout cas n'a suivre c'est la nouye pour nous est-ce que vraiment eh bien DGPNH là après si mettant console dans taille pour capable camper ensemble en face tout malfrat eh bien cap faire forfait dans pays a soit kidnapper moun ou bien vie moun k'ap sorti la banque pou capable assassiner ou puis prend comme ça nan mero si men troub nan pays a en tout cas eh bien l'autre information nou pote pou la c'est décès directeur général office national assurance vieillesse ona Chesnel Pierre Chesnel Pierre n'a songé lui-même président république la Jovenel Moïse te nommé en 2017 nan tête ona et Chesnel Pierre lui-même avant il était comme conseiller juridique magistrat Gonaïve là bien Jean Osner Amizial et Chesnel Pierre tout il était 3 fois bâtonnier l'ordre avocat nan Gonaïve Chesnel Pierre lui-même c'est un marié il était papa 3 timon Chesnel Pierre lui-même était fait Henry en 1966 li gen licence en droit et puis en gestion après Chesnel Pierre lui-même jwenn nan mòl jou vendredi 21 mai 2021 là sous caban l'hôpital et bien en pile information rive jwenn nou côté ou fait konnen et bien il te gen cas et bien il te gen symptôme coronavirus ça bien qui vinn compliquer et bien situation là parce que te gen quelques jours yo pat remarqué là nan bureau li en dedans ona ko DJ a pat bon yo te mené l'hôpital et c'est sous caban l'hôpital Chesnel Pierre lui-même ran tenir souffle président république là Jovenel Moïse beaucoup te parle li tweeté li fait konnen si avec un pile tristesse li joine l'an mort DJ ona et li di nan non administration là avec nan non personnel li li voye sympathie li bay fami zami et puis tout employé ona que deuil sa li même li affecté en tout cas salle des nouvelles non tout
salue départ chez Chesnel Pierre. Eh bien, c'est là tout. Nous mettons en bout avec série information nous. Merci à vous-même qui t'ai prêté notre attention avec fidélité. Nous casser rendez-vous très prochainement pour une autre série information vraiment intéressante. N'a invité vous abonner à la chaîne là. Activez cloche notification comme ça ou pas perdre yon yota dans série information n'a bien pour porter pour vous.